Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine avec un programme eh bien assez varié. On va essayer de parler bien sûr de on va coller d'abord à l'actualité parce que eh bien aujourd'hui, on va commencer d'abord par l'oncologie. Il y a un séminaire sur le traitement qui va se dérouler, les nouvelles techniques de traitement eh bien du cancer et le professeur Boudaoud Khadija viendra nous en parler puisque eh bien organise un congrès à Sétif. Ensuite, nous parlerons du mois du patrimoine. Ah oui, puisque le mois du patrimoine, ça a commencé le 18 avril et ça va durer un mois, 30 jours pour valoriser tout ce que nous avons comme patrimoine. Alors, deux personnes viendront nous en parler. Comme par hasard, ce sont deux architectes. Monsieur Tautau Houssine, qui viendra représenter le centre d'anthropologie, et Mariam Sereri, qui viendra nous parler de son expérience dans la numérisation des archives. Archives et du patrimoine. Bon, elle nous parlera de cette expérience. Ensuite, eh bien, puisque la Coupe d'Afrique des Nations des U17, eh bien, va commencer dimanche prochain. Alors, on va essayer d'avoir les derniers préparatifs, ce qui se fait en matière de préparation, puisque les équipes commencent déjà à arriver et la compétition commencera samedi prochain. Donc, Monsieur Saïd Hogas et probablement aussi Monsieur Jamel Meribout, qui est président du comité d'organisation nationale, viendra nous parler de cette compétition africaine qui est intéressante parce qu'elle est qualificative à la Coupe du Monde des U17. Donc voilà, la compétition vaudra bien sûr la peine d'être suivie. Voici le programme de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Nous allons d'abord commencer, comme nous avons toujours pris l'habitude, de nous balader sur Constantine avec la voix du maestro, l'inégalable Mohamed Tahar Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا هدخلت انا عقب ظلامي Voilà, très belle balade avec de très belles images aériennes de Constantine. Mais bon, ce n'est pas notre propos. Nous allons parler d'oncologie. Professeur Boudaoud Khadija, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Je crois que c'est la moindre des choses, hein, parce que ce que vous faites aussi pour les malades est quand même plus intéressant que ce que nous disons. Ou nos propos, parce que il y va de la vie eh bien des patients. Donc voilà. Donc vous organisez un séminaire sur l'oncologie. Bon, c'est pas le premier. Hein. Vous avez l'habitude de participer dans plusieurs rencontres scientifiques, des colloques, et à chaque fois,
avec un thème précis. Mais cette fois-ci, vous allez l'organiser à Sétif, à l'université de Sétif. Ça sera à partir de jeudi, c'est ça ? Oui, à partir jeudi. Du 27, oui. Bon, alors, donnez-nous plus d'informations. Je vous remercie premièrement pour l'invitation, et pour annoncer notre congrès. Et le congrès, ça tourne autour de l'oncologie radiothérapie. Sachant que l'oncologie radiothérapie, elle fait partie de l'arsenal thérapeutique du cancer, à côté de l'oncologie médicale, de la chirurgie. C'est un moyen de traitement pour le cancer et 70% des cancers sont traités par la radiothérapie. Elle intervient à tout stade, donc au stade précoce comme au stade avancé de la maladie et au stade métastatique. Ce congrès est organisé par la Société algérienne d'oncologie radiothérapie, qui a été agréée en septembre 2022. Donc, c'est notre premier congrès. Après une attente de 30 ans, et les radiothérapeutes rêvent de créer société. Alors, peut-être qu'il faudrait expliquer un peu la différence qu'il y a entre la radiothérapie et la chimiothérapie, parce que, vous savez, les malades, c'est un traitement, mais peut-être qu'il faudrait expliquer pourquoi il y a la chimio et pourquoi il y a la radio. Oui, pour les deux traitements interviennent dans le traitement du cancer. L'oncologie médicale, donc, c'est de traiter le malade avec un traitement systémique, par voie parentérale ou bien par voie orale pour agir sur la maladie en général, la maladie métastatique, la maladie même locale et métastatique. La radiothérapie, elle a un rôle également important dans le traitement du cancer. Elle traite la maladie locale. Lorsqu'on est dans une situation d'un stade précoce, elle intervient également dans la maladie métastatique. On traite localement et à distance de la maladie métastatique. Donc, les deux et la chirurgie, on n'oublie pas aussi la chirurgie intervient dans le traitement du cancer. Donc, c'est les trois armes thérapeutiques inséparables qui interviennent dans le traitement du cancer. Alors là, dans votre congrès, vous allez parler de radiothérapie. Oui. Et comme c'est votre premier congrès, donc ça va être un peu une mise à jour des dernières techniques de traitement de la maladie. Oui, dans notre congrès, on va parler de l'évolution technologique de la radiothérapie en Algérie. La radiothérapie, elle a évolué en Algérie comme à l'échelle mondiale. C'était avant les années, dans les années 90, c'était la radiothérapie 2D, donc avec la cobaltothérapie. Actuellement, on est au stade de la radiothérapie conformationnelle, tridimensionnelle, où on traite la maladie, on cible le cancer en épargnant les autres organes adjacents. L'IMRT, elle est introduite actuellement aussi en Algérie. Elle cible beaucoup plus. On peut augmenter la dose de la radiothérapie au niveau de la tumeur et épargner plus les organes à risque. Et dans ce congrès, on va, inchallah, discuter de l'implantation de la radiothérapie stéréotactique en Algérie. La stéréotaxie, la radiothérapie stéréotaxique, c'est une radiothérapie où on augmente plus la dose au niveau de la tumeur, uniquement au niveau de la tumeur, et d'accord, être plus prudent. Et, c'est concentré, on va dire que c'est concentré sur le... En augmentant la dose par fraction et en réduisant l'étalement du traitement. Donc, la ça veut dire du moins de temps. Courte. Voilà. C'est de 3 voire à 5 séances
tout en donnant une dose biologiquement équivalente à la dose classique au niveau de la tumeur. Donc, on va stériliser la tumeur. Et on peut imaginer que c'est un gain de temps, d'argent et de moyens aussi, parce qu'on peut libérer aussi des espaces pour d'autres malades, d'autant plus que, il faut dire que malheureusement, le cancer est de plus en plus répandu sous toutes ses formes. Hein, mais il y a de plus en plus de malades. Oui, le cancer, ça augmente, chaque année, ça augmente, à l'échelle mondiale et même en Algérie. On a, selon les données de Globocan 2020, en Algérie, on a 58 000 nouveaux cas atteints du cancer. C'est donc, on doit vraiment s'armer. Oui. Et là, à travers vos congrès, les rencontres scientifiques, c'est un peu, vous essayez un peu de vous mettre à jour, comme on dit, parce que c'est tendance maintenant, on dit mise à jour, parce que ça va avec l'informatique. C'est une mise au point un peu technique et technologique des dernières technologies d'intervention au niveau de la radiothérapie, je pense dans le domaine de l'oncologie, je pense que c'est ça. Alors, quels sont les participants? Est-ce que vous allez ramener des participants de toute l'Algérie? Comme notre congrès, on a deux thèmes à discuter dans le congrès. L'évolution de la radiothérapie, des techniques de radiothérapie en Algérie et l'association de la radiothérapie avec la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie. Dans le traitement du cancer. Donc, nous avons invité des experts, des chercheurs, des États-Unis. On a ça veut dire que c'est quand même un congrès international. Pourquoi on a choisi CITIF? De France, d'Oman, la Tunisie. On a choisi CITIF tout simplement le siège de la société, il est à CITIF. Et je suis la présidente de l'Algerian Society for Radiation Oncology. Donc, c'est uniquement peut-être l'année prochaine, on va changer le siège du congrès. Ça va être peut-être vers l'ouest ou le centre. Et à chaque année. Pourquoi pas le sud aussi, pour ne pas, bien sûr, pour cibler plus grand nombre possible. Notre objectif. C'est de former les jeunes par le séminaire et on va, Inch'Allah, organiser des workshops. Des workshops, ça ne va pas se limiter uniquement aux conférences. On va organiser des workshops au niveau des centres. Là où il y a des machines, on a des machines de radiothérapie, des accélérateurs qui sont de dernière génération. On a des équipes jeunes. On va les accompagner. On va les accompagner avec des experts étrangers, des experts des centres formateurs en Algérie. Donc, et on va les aider à implanter, comme par exemple dans le sud, où on a des centres, on a des machines sophistiquées, mais la technique MRT, elle n'est pas encore. Encore maîtriser. Donc, tout à fait. On va les accompagner et on va, Inch'Allah, on va améliorer la prise en charge justement de nos malades dans tous les centres. Voilà, l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge du malade quand il vient, son traitement, et surtout d'écourter au maximum la période d'intervention de la chimio, enfin de la radiothérapie, et essayer un peu d'écourter les souffrances des patients afin de les guérir le plus rapidement possible. Je pense que c'est ça l'objectif du médecin, hein, c'est ça. Oui. Et même en radiothérapie, en matière de radiothérapie, la particularité de la radiothérapie, c'est que le médecin, on ne peut pas traiter un malade comme un médecin, il prend la décision, il met son protocole, il traite. D'accord. C'est un traitement, c'est une décision d'une équipe. D'accord. On travaille, même le médecin, il fait le contourage, il prend la décision de mettre telle dose ou telle dose dans tel organe ou tel organe. Et en fin de matinée, on se réunit et on projette nos traitements sur un data show et on décide de traiter le malade. C'est une décision de staff médical. Une décision collégiale, on va dire. Collégiale, on va
travailler à distance en ligne avec nos collègues médecins jeunes au niveau des centres du Sud, au niveau de centres, et on va travailler. Ça sera, inchallah, on va établir des procédures, on va travailler de la même façon dans D'accord. tous les centres. Donc, ça sera, inchallah, C'est un peu pour uniformiser uniformiser, le traitement afin oui. que tous les médecins prennent le même chemin thérapeutique pour essayer d'aider le malade. Parce que c'est important d'unifier un peu le traitement. C'est important pour C'est vous. important, c'est très important, oui. On a des malades, on a la particularité, on a c'est vrai des protocoles, des procédures qui viennent de l'Europe, des États-Unis, mais on n'a pas les mêmes malades, on n'a pas les mêmes stades de D'accord. maladie. On doit donc créer, établir nos procédures Et personnaliser un tout en peu se le référant aux traitement. procédures européennes et mondiales, et on va établir nos procédures en fonction de nos malades et en fonction de nos conditions et en fonction de De bons moyens. de nos moyens. Voilà, c'est parce qu'une Oui, question de moyens aussi, il faut le dire, même si maintenant, les nouveaux accélérateurs, l'appareillage, on va dire, technologique existe en Algérie pour la prise en charge du malade. Il suffit bien sûr, eh bien, de bien mener cette mission pour essayer de soulager. Je le dis soulager parce que l'annonce déjà, quand on annonce à un malade qu'il est atteint du cancer, c'est déjà, il croit que c'est fini, c'est la fin du monde, c'est bon, c'est terminé. Mais c'est pas ça, docteur. Il y a toujours l'espoir d'être guéri. Il y en a beaucoup qui guérissent, il faut le dire. Bien sûr. On a des malades. J'étais à Constantine, moi j'ai fait l'école de Constantine et j'habite toujours Constantine. J'ai pris le poste de médecin-chef assistif en 2017. Mais vraiment, j'ai des malades qui ont été traités. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, 23 ans, 25 ans. Mais qui sont toujours là. Moi, j'ai 32 ans dans le La domaine de Hubert, l'oncologie la Hubert. radiothérapie. Donc, j'ai des malades encore vivantes et. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça veut dire que l'on guérit, il ne faut pas trop, on va dire, dramatiser, parce qu'on a Il faut pas tendance à trop. dire, ah, le cancer, c'est fini. On n'ose même pas le prononcer. Pour le cancer, il faut le prendre en charge à temps les malades. Le dépistage et la prévention aussi ont un rôle très important C'est surtout dans ça, oui, la l'évolution, prévention, et puis la plus on prend prévention, rapidement en charge la le maladie. dépistage, le diagnostic précoce C'est très de la important. maladie, c'est très important. Concernant les autres centres de radiothérapie qui sont implantés au sud ou bien c'est des centres qui ont des machines, des accélérateurs de haute gamme. Donc, ça manque uniquement la formation. C'est des jeunes qui ont été recrutés. Les centres formateurs sont tous au nord. Donc, c'est des jeunes, on doit les accompagner pour prendre en charge les malades D'où dans les l'intérêt meilleurs. de ces rencontres scientifiques, comme le congrès que vous allez organiser, qui est une façon un peu on va dire, de recycler, de montrer comment on traite, de montrer les dernières technologies. Je pense que c'est très important, surtout pour les jeunes médecins, de participer à vos congrès. Je pense que voilà. Donc, c'est des discussions, on aura des conférenciers, on va échanger les expériences, nos expériences à travers, au niveau des différents centres, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, européenne. Donc, c'est des discussions et c'est des échanges d'expériences et ça sera bénéfique Pour et tout c'est le une monde. formation pour les résidents en radiothérapie, les médecins, formation médicale continue. C'est quand même C'est très intéressant. très Donc, intéressant. on rappelle que c'est jeudi, vendredi, 26, 20, 27, C'est le 27, 27, 28 28 et 29 avril, 29, voilà, à inchallah. Sétif, à l'université Farhat Abbas de Sétif. Oui, au C'est niveau ça. de l'auditorium Mouloud Qasim Naït Boulkassem, à l'université Farhat Abed Sétif De 1. Sétif, voilà. Si vous voulez ajouter un dernier mot, peut-être pour inviter tous les oncologues, les jeunes surtout, pour venir. J'invite tous les oncologues radiothérapeutes et les physiciens médicaux, les professionnels de la radiothérapie, nos collègues oncologues médicaux, parce qu'on aura des conférences aussi sur l'oncologie médicale, la chirurgie, la napate,
les anatomopathologistes, les étudiants, donc, à participer et à assister à notre à cet événement. Voilà. C'est bien de signaler que c'est un événement scientifique quand même digne d'être. Ouais. D'abord, ça vaut la peine de faire le déplacement, je pense, à ce titre. Voilà. Docteur Boudaout Khadija, merci d'être venu pour parler de votre séminaire. J'espère qu'on se retrouvera encore pour faire le point de cette rencontre scientifique et puis d'autres rencontres scientifiques, surtout dans le domaine de l'oncologie. On vous souhaite bon courage pour ce séminaire qui se déroulera, je vous le rappelle, les 27, 28, 29 à Sétif, à l'université Farhat Abbas. Voilà, docteur Boudaout, merci. On vous souhaite un bon retour à Sétif. Et puis à très bientôt. Nous, on va juste changer un peu de domaine, mais on ne va pas aller très loin. On va toujours coller à l'actualité. Nous allons parler du mois du patrimoine. Mais avant de recevoir nos deux invités, nous allons d'abord faire une petite virée à Skikda pour voir et s'enquérir de l'état des travaux de restauration du théâtre de Skikda, qui est un petit joyau et qui a été rénové récemment et qui est sur le point d'être mis en service. Donc notre ami Ammar Tabel s'est rendu à Skikda pour nous ramener ce petit reportage. Voilà, petite visite, et c'est vrai que c'est un petit joyau, le théâtre de Skikda. Pour rester dans le même domaine, hein, puisque le patrimoine, patrimoine national est quand même assez riche et assez divers, et pour nous en parler, nous avons deux invités. Le mois du patrimoine a commencé le 18 avril, et ça va continuer jusqu'au 18 mai, donc tout un mois dédié au patrimoine. D'abord, Monsieur Hossein Tawtaw, qui est directeur du Centre d'anthropologie. C'est l'annexe du CNRPH, le Centre national de recherche en préhistoire, en anthropologie et en histoire. Ce sont trois domaines scientifiques. Très bien. Alors, Hossein Tawtaw est connu quand même pour ses interventions multiples dans le domaine de l'anthropologie et de l'histoire et du patrimoine. Voilà. Du patrimoine d'une manière générale. Alors, à ses côtés, Myriam Sreri.
Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, Laves, ça va, que la moutique. Alors, Meliem a la particularité de nous venir de l'université, c'est ça? Oui, d'un centre de recherche aussi, qui voilà, est jeune. Qui est jeune, il a été créé ici à Constantine, il travaille sur l'aménagement du territoire. C'est un centre national, ouais. Il est à Zberi. Voilà, et vous allez vous demander pourquoi l'aménagement du territoire avec le patrimoine. Voilà. Ben, une expérience quand même assez unique en Algérie, elle est la seule. Vous avez testé une opération de numérisation. Je pense aussi que c'est la première opération de numérisation dans le secteur de la culture, vu que c'est la politique nationale, la numérisation. Et on a développé la première visite virtuelle réalisé selon les normes internationales du palais Ahmed Bey. Voilà, donc oui. C'est quand même une expérience assez intéressante. Oui. Donc, on va commencer par... Alors, un mois du patrimoine en Algérie, est-ce que ça, on va dire, est-ce que c'est suffisant pour, bien sûr, mettre en valeur tout ce que nous avons comme richesse patrimoniale? C'est un avis personnel. Oui. Je pense qu'il est largement suffisant. Mais le problème, où est-ce qu'il se situe? C'est dans la préparation. Parce que nous, on a pris l'habitude de faire tout à la hâte, la précipitation. Et ça, c'est très mauvais. Ça ne donne pas le temps nécessaire pour vous préparer ce mois du patrimoine. Quoique, nous sommes maintenant, on a acquis une certaine expérience. Une très grande expérience. Donc, on a pris l'habitude de travailler selon cet ordre. D'accord. Et on fait de notre mieux. Voilà. Alors, vous étiez présent à l'entame de ce mois, le 18 avril passé. C'était au Palais du Bey. Palais du Bey qui était devenu un musée. Voilà, oui, il faut dire vrai. Qu'il a le statut de musée. Et on commence toujours par une exposition, par essayer de mettre en valeur ce qu'on a. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que peut-être qu'il faudrait peut-être d'autres occasions aussi. Mais d'abord, il faut commencer à montrer. C'est ce que vous avez fait. Je pense que c'est un problème de programmation. D'accord. Voilà. Toujours est-il, c'est une bonne opportunité parce que c'est destiné au grand public. Oui. Et donc, c'est suffisant pour moi. Le grand public, il est là. Et le Palais du Bey, c'est un bon choix parce qu'il est très visité, que ce soit par les citoyens de la ville ou par tous les citoyens, même les étrangers. Surtout les étrangers. Ces derniers temps, on a remarqué quand même qu'il y a un intérêt particulier et un grand intérêt des touristes étrangers qui viennent spécialement pour le Palais du Bey. Oui, laissez-moi d'ouvrir une parenthèse. Oui. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais grâce aux médias, qui jouent un très très grand rôle dans la promotion de ce qu'on a comme patrimoine ici dans la ville de Constantine. Et donc maintenant on assiste à un flux très important, que ce soit des gens du pays ou de ceux qui viennent de l'étranger. Voilà, quoique il y a toujours des insuffisances. Vous savez, nous les Algériens, on peut rattraper, nous sommes toujours insatisfaits parce qu'on voit grand. C'est bien de voir grand. Oui, c'est normal. Mais je pense aussi que, parce que durant le corona, il y a eu beaucoup de techniques qui ont été développées. Je pense que, là, on va s'adresser à Meriem Sreri. Ce que vous avez fait, c'est, je crois, le besoin qui a fait ça. Parce que des gens ne pouvaient pas se rendre physiquement au Palais du Bey. Donc, vous avez pensé à numériser. Et à faire une visite virtuelle. Parce que l'UNESCO, en 2022... elle a fait des statistiques sur les visites virtuelles des musées et des grands sites archéologiques. J'ai tenté de me rejoindre sur ça. Et l'Algérie ne figure pas dans la liste. C'est pour ça qu'on a pensé à développer une visite virtuelle pour promouvoir aussi les territoires, pour rendre ce palais visible, pour rendre notre patrimoine visible. Parce que quand même, l'Algérie est une terre d'histoire, d'art. Oui. Un territoire riche en histoire, riche en culture, riche en tout ce que vous voulez. Donc c'est pour promouvoir le tourisme culturel de l'Algérie vis-à-vis l'étranger. Alors qu'est-ce que vous avez fait exactement quand on dit numérisation d'une visite virtuelle, ça consiste en quoi exactement? Il y a deux opérations. Il y a l'opération de la numérisation qui sert à archiver le palais.
d'une façon numérique. La numérisation, je donne toujours l'exemple, je reviens toujours sur l'exemple de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Mmh. Elle a été numérisée en 2012 et quand elle a pris feu en 2018, je pense, ils ont récupéré les documents archivés, ils ont pu la restaurer. Donc nous, on a fait ce genre de travail. Et aussi, la numérisation, c'est avoir une réplique numérique du palais. Ça veut dire que, voilà, il faut expliquer simplement, c'est que vous allez photographier tout ce qu'il y a, tout le palais en point. Oui, c'est un relevé en X, Y, Z, avec un scanner très performant, c'est le scanner 3D, c'est le BLK, c'est un scanner qu'on utilise dans les sites archéologiques et dans les monuments historiques. Ça, c'est une opération, c'est une intervention et ça nous permettra aussi de faire la gestion. La gestion, par exemple, si on veut faire une réhabilitation dans tel endroit du palais, on peut la faire sur ordinateur avant de l'entamer sur terrain. Ça nous coûte moins cher. Et ça nous pose moins de dégâts. Et surtout, ben, ça permet de remettre dans le son contexte eh bien, ce patrimoine. Parce qu'il faut dire que bon, cette technique a permis de faire des visites virtuelles dans le temps. Voilà, dans plusieurs sites archéologiques qui datent de plusieurs siècles, on a pu faire des reconstitutions en images, en 3D de ce genre. Il y a le travail de la numérisation. Et après, on a dit qu'il faut aussi faire la promotion du patrimoine de l'Algérie, des territoires de l'Algérie. Donc, on a pensé à une visite virtuelle. On a fait des visites virtuelles auparavant en Algérie. Il y a l'exemple de Sétif, il y a l'exemple d'Oran, mais notre visite, elle a été faite déjà selon les normes, elle a été faite par un logiciel qu'on fait d'habitude les visites avec, comme la visite virtuelle de Louvre, du Vatican, et c'est accessible. Il y a aussi de la documentation là-dessus. Quand on accède à la visite virtuelle, on voit un peu l'historique du palais, on voit des cartes postales, comment il était le palais d'antan. C'est ça qui caractérise. Elle est faite par une institution scientifique. Il y a une démarche scientifique, donc c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus technique et pointu. Oui, c'est ça. Et quand on l'a diffusée il y a 3 mois, on l'a diffusée en ligne, on a eu beaucoup de retours. On a eu, dans l'intervalle de 3 heures, 2000 visiteurs. Parce que dans le logiciel, on peut voir les gens, bon, les pays qui visitent, on a eu un peu de l'Europe, du Canada, des États-Unis, de l'Algérie. Un peu partout. On a eu des très bons retours. Et l'Algérie contient ce joyau. C'est rien. Le palais, c'est rien par rapport à d'autres choses. Voilà, là, Hussein Tantaou, le palais du Bey, par rapport à ce qu'on a encore comme histoire, comme patrimoine, archéologie, c'est rien du tout. Ah oui, mais c'est pas pour dénigrer, mais c'est pour donner. Ce qui est important du travail qu'ils ont réalisé. Il ne faut pas oublier qu'on parle là d'une période très importante de l'histoire de l'Algérie, c'est l'époque ottomane. Et il y avait 3 beylicats. Le beylica de Constantine était très important. C'était le plus important. Et chaque bey avait sa demeure, son palais. Malheureusement, il n'y a que le palais de Constantine qui reste conservé. Ah d'accord, les autres palais ont disparu, c'est vrai que... Voilà, c'est très très important. C'est pour ça que... Mais je voulais dire en termes d'importance, nous avons encore d'autres sites à mettre en valeur, d'autres bastions... De toutes les périodes historiques. Et ça, c'est ce qui est bien en Algérie, qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est que nous avons des témoignages archéologiques de toutes les périodes historiques qu'a vécu le pays. Oui. Depuis, moi je peux remonter jusqu'aux époques géologiques, les périodes géologiques, la formation du rocher par exemple. Surtout à Constantine. L'histoire parle d'elle-même. Et là on parle des millions d'années. Le rocher il est là, la rivière qui a façonné ce rocher, elle coule toujours. Et voilà, et toutes les strates de ces périodes historiques sont là. Et donc le travail qui vient que le CRAT a réalisé, ce n'est qu'un début.
Ce n'est qu'un début. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Inch'Allah. Parce que n'oubliez pas que maintenant, la numérisation en 3D des sites archéologiques et des monuments historiques, c'est une nouvelle tendance. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'abord de préserver, de conserver ce patrimoine, et elle permet aussi de faire la promotion de ce patrimoine. Voilà, d'une pierre deux coups. Très bien, c'est bien de parler de ça. Bon, on va juste voir ce que nous avons ramené comme image lors de l'inauguration de ce mois du patrimoine au Palais du Bey, et vous allez voir qu'il y a aussi d'autres techniques qui ont été, qui ont été lancées. Et vous allez voir, c'est quand même intéressant de parler d'hologrammes et d'hôtesses virtuelles. Oui. C'est, voilà, bon, cela aussi, c'est la première fois qu'on utilise cela en Algérie. Regardez, d'abord, c'était à l'inauguration. بمشاركة المؤسسات تحت الوصاية التابعة لوزارة الثقافة والفنون إضافة إلى مشاركة اللامنة الحرفيين والحرفيات وجمعيات ودي ستارت اب لإدخال التكنولوجيا الحديثة في واستعمالها في قاعات العرض لخلق متحف تفاعلي وستكون التجربة الأولى للمتحف الذكي اللي رانا قاعدين نخدموا عليها المتحف الذكي الأولى بالجزائر من خلال استحداث بعض التقنيات الحديثة كالأوتيس هولوغرام التي تعرض لأول مرة من هنا من متحف العموم الوطني للفنون والتعابير الثقافية قصر الحاج أحمد باي بقسنطينة. التقنية المستعملة خلفي هذه هي المضيفة الهولوغرافية اللي أول مرة تستعمل في المتاحف. الأمر يدخل في تثمين التراث المادي واللامادي. في هذه الحالة التراث اللامادي. فمثلا نستطيع بهذه أن نعيد إن نستطيع القول إعادة أحياء شخص تاريخي مثل مثلا أحمد باي الذي سيشرح حياته أو أمور مفصلية في الحياة التعودية. يقدر يستقبل، يقدر يشرح الزوار، يقدر كذا. الأمر جد بسيط. هي كيف نستعمل، أين نستعمل، متى نستعمل، كل تقنية. سعيدة بوجودي اليوم في افتتاح اليوم الأول من شهر موروث الثقافي الجزائري. الفكرة هي تاع هذا المشروع نبتت من غيرة على الموروث الثقافي تاعنا الجزائري. وهنا كما راك تشوف المجوهرات اللي كاينين لهنا من شمال الجزائر إلى جنوب الجزائر، كل قطعة عندها رمزية معينة. دونك للأجداد حطوا هذه الرمزية في كل قطعة باش تكون عندها معنى باش يوصلوا بها رسائل. دونك الفكرة تاعي أنا هي حبيت نعاود نرجع هذا الموروث، نرجعه ونصالح الشباب الجزائري اليوم بهذا الموروث باش نكونوا حنايا نكملوا هذه المسيرة ونوصلوا للجينيراسيون اللي جايين إن شاء الله. فالفكرة اليوم هي أن الموروث تاعنا يمشي في كل زمان ويستاهل، يعني يستاهل أن نتعاقد معاه ونكونوا فخورين بارتدائه. Voilà, donc une petite visite au Palais du Bey avec... ce qui était intéressant quand même, c'est l'hologramme, l'hôtesse en hologramme. C'est bien, c'est une technique nouvelle. C'est très simple, il faut dire que ce n'est pas très compliqué. Ben oui. Vous avez quelque chose à dire?
Oui. Moi, j'étais impressionné parce que j'ai vu ça quand on a ouvert le mois du patrimoine. Et pour la première fois, je vois ça à l'intérieur du Palais du Bay. J'étais d'abord très impressionné et j'étais très content. Ouais. Voilà. Enfin, une nouvelle technologie qui est, comme vous avez dit, très simple. Mais il fallait juste y penser, je pense. Voilà. Exactement. Vous pouvez faire ça très facilement, ce n'est pas très compliqué. Oui, mais nous, en tant que centre de recherche, on travaille beaucoup plus, notre centre il travaille beaucoup plus sur la gestion des risques. D'accord. Il y a les risques naturels, il y a tout ce qui est incendie, les risques anthropiques, parce que les gens peuvent aussi nuire au patrimoine. On travaille sur tous ces risques. On a une démarche plutôt scientifique, mais ce qui a été fait au Palais du Bay, c'est unique. Il faut dire que la directrice aussi et le staff du Palais sont très... Oui, c'est vrai qu'il faut saluer quand même Olivier Mokbelia, qui est très actif. Tout le staff avec Madame Mokbelia, ils sont très actifs. Et au Moutaouini. Voilà. Ce sont des gens très hospitaliers. Alors, ce qui est bien, parce qu'on disait avec la start-up qui a fait cet hologramme, c'est qu'on peut faire un personnage comme Ahmed Bey avec un costume et c'est à lui d'expliquer et de faire la visite. C'est ça qui est intéressant, Tao. Il faut dire que nous, en Asie, que c'est simple. Mais en apparence, c'est simple. En apparence, bon. Voilà, mais il y a pour la maîtrise. Voilà, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui a participé à l'élaboration de ce projet. Voilà, une équipe technique, des informaticiens, des historiens et tout ce qui s'en suit. Voilà, quand on voit comme ça, on dit « Oh, c'est simple ». Non, non, c'est là, on est à la fin. c'est la finalisation du projet. Tant mieux, c'est simple. On aimerait bien que les gens disent « C'est simple ». Mais Debine... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand on rentre là-bas, par exemple, dans le derbe du Bay, le Bay peut virtuellement vous accueillir, vous expliquer ce qu'il faisait. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans un palais comme ça, c'est... on va dire que c'est bien. Voilà, il ne faut pas que les gens imaginent que c'est le Bey qui parle. Oui, c'est pas lui. Derrière, il y a tout un travail qui a été fait, qui a été préparé pour qu'on arrive à ce résultat-là. Alors, pour revenir à l'expérience quand même qui est aussi unique en Algérie, pourquoi vous avez choisi le Palais du Bay, mais est-ce que vous avez d'autres objectifs pour... Oui, normalement, dans quelques temps, on va... comme c'est un centre national, on a travaillé aussi... Monsieur Tartan, il a vu le travail. On a travaillé aussi sur le Medrasen, le tombeau de Medrasen. Tombeau de Medrasen, on est allé un petit peu loin. On a essayé de restituer virtuellement. On a essayé de l'imaginer comment il était à l'intérieur. Et ce travail n'a pas été divulgué. Et on a essayé de l'imaginer comment il était à l'intérieur. On peut le visiter à l'intérieur. Parce qu'il est inaccessible actuellement, le Medrasen. On ne peut pas accéder à l'intérieur. On revient sur Constantine, on va travailler sur pas mal de monuments. On va essayer toujours de numériser et de faire les visites virtuelles. Et Constantine, c'est le premier, mais comme c'est un centre national, on va essayer de travailler sur tout le territoire national. Pour notre patrimoine, que ce soit préhistorique, que ce soit historique, que ce soit ottoman, toutes les époques. Donc on va dire aussi qu'on peut aller à Tidis pour refaire la vie. C'est ça, hein? Oui, oui. Hussein Tautau, vous qui avez une grande idée quand même sur tout ce que nous avons comme patrimoine dans la région. Ah oui, parce que là, il faut penser à une chose, qu'il y a des sites qui sont vraiment rares. Et qui retrace pratiquement toutes les périodes historiques de l'Algérie. Oui. Et ces genres de sites sont très rares. Ils sont vulnérables. Donc, je pense aujourd'hui, il y a une urgence de reprendre les sites et de travailler dans le sens de la conservation et la préservation de ces sites en utilisant toutes ces technologies qui sont à la portée maintenant de tout le monde.
Voilà, je pense que plus tard et dans le proche avenir, on va travailler sur ces projets-là, reprendre la ville de Tidis et essayer de la numériser en 3D. Tidis, mais il y a aussi Timgad, il y a aussi Jmila, ah oui. il y a plein. Parce que maintenant, il y a des choix. C'est les plus connus, hein, mais il y en a d'autres. Oui, il y a des choix à faire. Par quoi il faut commencer? Moi, je pense qu'il faut commencer par ces sites qui ont beaucoup plus d'importance par rapport à d'autres. Hein, là où on trouve les témoignages pratiquement de toutes les périodes historiques, depuis le paléolithique ancien, inférieur, jusqu'à, par exemple, pour te dire, jusqu'au Moyen-Âge. Oui. On a des périodes qui s'échelonnent depuis les périodes les plus anciennes de la préhistoire jusqu'au XIIIe siècle. Et ça, c'est très, des choses qu'on ne trouve pas dans les autres sites. Donc, je pense personnellement qu'il faut commencer par ce type de site, hein, parce que si on ne bouge pas aujourd'hui, il y a un risque de les perdre. Et nous, dans notre domaine, on sait que si on perd ne serait-ce qu'une seule trace dans ces sites, c'est irréversible. Et c'est pas récupérable. Exactement. Donc, à mon avis, il faut aller dans ce sens et commencer par ces sites qui ont beaucoup plus d'importance pour notre histoire et qui sont là aujourd'hui. Voilà, les préserver, les conserver par la recherche, par l'étude et surtout par l'utilisation de ces moyens technologiques, oui. Parce que nous avons les compétences, nous avons le matériel, oui. Nous avons le financement qu'il faut et nous avons la volonté même, oui. De l'État et des citoyens. Ben, voilà. C'est important quand on a quand même les deux intentions, ça veut dire qu'il y a... Mais il reste quand même que le patrimoine, à mon avis, eh bien, devrait être encore plus valorisé. On peut encore faire beaucoup mieux. Parce que certaines personnes ne savent pas, par exemple, qu'il y a des traces phéniciennes dans le canyon de Constantine. Peut-être qu'il faudrait revenir à l'ancien chemin des touristes pour essayer un peu de faire des visites. Parce que plus il y a de gens qui visitent, plus il y a un intéressement, plus il y a, je pense, une volonté de préserver. Oui, je pense que ça a beaucoup évolué, parce que n'oubliez pas que la science archéologique, elle est nouvelle. Elle date pratiquement du 19e siècle. Il faut situer tout ça dans le contexte historique du pays. Nous, cette science a commencé, par des amateurs, des administrateurs à l'époque coloniale. C'était beaucoup plus le fruit du hasard qu'autre chose. Voilà, mais les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui. Nous avons des universités, nous avons des centres de recherche. Nous avons un centre de recherche qui... Et qui produisent. Et ce n'est pas son domaine. Hein. On va dire, oui, c'est l'aménagement du territoire, ça n'a rien à voir avec... Des fois, ce n'est pas notre domaine, mais on touche. Mm. On touche à ce domaine-là. Parce que la mission, c'est aller sans c'est combattre les risques. Et c'est l'aménagement du territoire. Et les risques, dans un territoire. Beaucoup, voilà, les risques. Ça touche tout ce qui se trouve dans ces territoires. Mmh. Et le patrimoine fait partie de ces territoires. Mmh. Et le patrimoine, il est touché comme les autres secteurs du territoire. Et en plus de ça, le patrimoine est très vulnérable. Ouais. Par rapport aux autres composantes qu'on peut trouver dans ce territoire-là. Et les territoires sont constitués des monuments, des sites, parce que généralement, quand on parle du territoire, on parle des villes, on oublie les sites archéologiques, on oublie les monuments historiques. Et toutes ces entités du patrimoine font les territoires. Nous, dans le centre de recherche, on essaie de penser sur comment rendre ces territoires agréables, comment rendre ces territoires actifs à travers la promotion des sites historiques et les monuments archéologiques et les monuments historiques. Comme les exemples qui se font à l'étranger, on voit à l'Europe, on voit en Égypte, c'est juste à côté de nous. Elle vit avec son patrimoine. Et nous, on a vraiment un patrimoine qui est très intéressant, qui est très riche, oui, il suffit juste de le mettre en valeur. Il n'y a pas uniquement la richesse de ce patrimoine.
C'est que ce patrimoine, il est, comment dirais-je, authentique, il est unique. Plus que ça, il est consistant. Oui. Si on parle en termes de quantité, oui. En termes, il est très important. Oui, ça c'est très important. C'est vrai que... Et c'est une exception. En plus, nous avons de la chance ici en Algérie. Le patrimoine, il est partout. Il est partout. Et donc, on doit se comporter, c'est-à-dire en considérant tout ça. Il n'y a pas uniquement la richesse, il y a aussi la quantité. Alors, c'est ce qui complique la tâche en plus de ça. Là, je veux dire que c'est compliqué, mais si on dit un mois du patrimoine, c'est le mois de l'Algérie alors. Oui. Parce que toute l'Algérie est patrimoine. On peut le dire, c'est ça. Oui, on peut le dire. Et l'État algérien a consacré tout un mois à ce patrimoine, à la Belaouche Galadir, parce qu'il est riche. Et il est grand, ce patrimoine. Oui. Voilà. Il nous reste beaucoup de choses à découvrir quand même, hein, beaucoup de choses à faire. Et c'est bien de commencer les petites démarches. Peut-être avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles technologies, on peut découvrir. Parce que pour faire une fouille, c'est un peu lent, c'est une longue procédure, ça demande des moyens, ça demande des compétences. Mais avec les nouvelles technologies, la tâche est devenue plus facile. Et travailler dans des équipes pluridisciplinaires, nous, au centre, ce travail, il y a l'architecte, l'archéologue qui est moi, il y a l'informaticien, il y a l' ingénieur qui maîtrise cet outil, il y a la personne de la communication. Travailler dans des équipes pluridisciplinaires, travailler avec la culture et l'institution scientifique, je pense que c'est une nouvelle approche de l'Algérie. C'est travailler dans des équipes. Il n'y a pas la culture qui travaille toute seule, il n'y a pas l'université qui travaille toute seule, il y a la communication aussi, c'est très important. C'est vrai qu'il faut communiquer. Hein, oui, le marketing. Ouais. On peut dire ça, le marketing culturel et scientifique, et on peut obtenir beaucoup de résultats. Et je pense que le résultat de la visite virtuelle, c'est grâce à ça. Il y a madame la directrice, il y a monsieur le directeur, que je félicite beaucoup, parce qu'il nous pousse toujours vers l'avant. Monsieur Ben Abbès, c'est notre directeur. Il y a le travail de l'équipe. Il y a la pluridisciplinarité. Oui. C'est ça qui fait... C'est la richesse, hein, parce que plus, quand il y a beaucoup les profils confondus. Voilà. Et chacun apporte son regard. Oui. Et surtout, quand vous regardez dans la même direction, vous avancez. On a le même objectif. Ouais. C'est notre patrimoine. L'informaticien veut sauvegarder le patrimoine à sa façon, moi à ma façon, monsieur Tata à sa façon, vous à votre façon. Mais l'essentiel, on arrive au même résultat, c'est promouvoir notre patrimoine. Voilà ce qui est important dans le patrimoine, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'un seul établissement, voilà, c'est l'affaire de tous, de tout le monde. C'est que tout le monde est concerné. Laissez-moi vous dire que pour le patrimoine, on est confronté, pour résumer, à trois problèmes. Le premier problème, c'est la préservation et la conservation. Le deuxième problème, c'est la découverte, la recherche. Et le troisième problème, c'est l'inscription de ce patrimoine sur la liste du patrimoine mondial. Pas uniquement national, mais mondial. Donc, on doit faire face à ces trois problèmes-là, et d'où la pluridisciplinarité du travail. On ne peut pas faire face à ces trois problèmes en travaillant tout seul. C'est pas possible. Ça demande des compétences, ça demande des moyens et ça demande beaucoup plus de la volonté. Ouais, voilà. L'union fait la force. Et je crois que pour conclure, il n'y a pas mieux. Alors un dernier mot, Mariam Sereri. Je vous invite à avoir notre visite. Comme virtuel. Ça, on aura, oui. Elle est disponible sur le site krat.dz, www.krat.dz. On va faire pas mal de manifestations scientifiques pendant le mois du patrimoine. Pour parler des nouvelles technologies et la gestion des risques dans le patrimoine et comment l'institution scientifique peut contribuer. On aimerait bien avoir des retours sur notre page Facebook pour améliorer notre travail. Et je vous dis qu'il y aura beaucoup,
Il y aura beaucoup de monuments qu'on va travailler là-dessus, surtout à Constantine. Très bien. Donc, il y aura des surprises. Oui, mais on va vous ramener encore d'autres, sur d'autres plateaux. Alors, M. Hassine Tawtaw. Oui, pour ma part, j'invite aussi les citoyens à aller visiter le Palais du Bain et voir tout ce qu'on a dit, comment on aide les spectateurs. Voilà, exactement. Voir aussi la production scientifique du centre. Nous avons un stand, là où on expose tout ce qui a été produit par les chercheurs du centre, les ouvrages, les périodiques, voilà. Les études et tout. Et c'est très, beaucoup, très important, et dans la langue arabe, même la langue française. Et il y a tout un programme pour le mois du patrimoine, des journées d'études, des visites et tout ce qui s'en suit. Il faut profiter. Il faut profiter au maximum. Et je salue votre travail, que nous apprécions beaucoup, parce que quelque part vous faites aussi de la promotion et vous êtes avec nous. Ben, vous disiez tout à l'heure, chacun dans son domaine, c'est la vulgarisation. Les médias, c'est très important pour faire la promotion de tout ça et parler de notre patrimoine à cette occasion-là. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu pour nous parler de ce que vous faites qui est très intéressant. Que ce soit dans les nouvelles technologies ou que ce soit dans votre centre qui est quand même très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouvera, Inch'Allah, parce que nous avons d'autres occasions. J'espère que vous allez revenir pour nous parler de vos expériences, de ce que vous faites tous les jours pour préserver ce patrimoine qui fait partie de notre identité. Attention, sans passé, nous n'avons pas d'avenir. Donc, il faut préserver ce que nous avons comme passé et surtout le mettre en valeur. Allez au mois du patrimoine. N'oubliez pas, ça se déroule jusqu'au 18 mai. C'est l'occasion. Donc, si vous n'avez pas le temps durant la semaine, vous avez les week-ends. C'est ouvert pendant les week-ends parce que exceptionnellement, c'est ouvert vendredi et samedi pour que tout le monde puisse jeter un coup d'œil. Attention, emmenez vos enfants pour qu'ils puissent voir ce qu'ont fait leurs ancêtres et ce qu'ils ont laissé comme trace. Eh bien, voilà. Merci, Hossein Tawtaw. Merci, Mariam Sreri. On va juste changer, bien sûr, encore de sujet. Nous allons toujours rester dans l'actualité avec cette Coupe d'Afrique des Nations des U17, les jeunes. Et oui, c'est intéressant puisque n'oublions pas que cette compétition est qualificative à la Coupe du Monde de la même catégorie, c'est-à-dire des U17. C'est très intéressant. Alors, pour nous en parler, mes deux invités vont nous rejoindre. Eh bien, le temps de voir comment Constantine s'est préparé à accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. شرفتمونا فلتعيش الجزائر في هناء وسرور مرحبا بكم في مدينة قسنطينة في مدينة العلم والعلماء مرحبا بضيوفنا Constantine vous accueille à bras ouverts. Le meilleur accueil vous sera réservé.
حلاك في قلبي مغلاك نكتب اسمك بنوار والياسمين بهاك نكتب اسمك بنوار والياسمين بهاك هنا مدينة الصخر العتيق بلاد الهواء والقنطرة مدينة العلم والعلماء الهمة والشان والمناظر 25 قرن تاريخ وحضارة وما زال سلام على الأحباب في القرب وفي البعد قسنطينة الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم يا سيدي ويلكم مرحبا بضيوفنا في مدينه الفن والثقافه كي نقولوا قسنطينة نقولوا الموسيقى نقولوا المدينه مرحبا بكم في قسنطينة Voilà, donc une belle visite dans une ambiance, bien sûr, on est un peu décontracté parce qu'on va parler. Vous savez, dans le monde du sport, on est toujours décontracté parce qu'on Tout parle du sport. Ouais. Voilà, l'esprit sain dans un corps sain, c'est pas fortuit. Alors voilà, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations des U17 s'installe en Algérie pour 3 semaines de compétition. La finale, ça sera le 19. Le début, ça sera le 29 à Alger. Et puis, bon, il y a 3 sites qui ont été retenus. Il y a Constantine, Annaba et Alger pour les 3 groupes de compétition. Alors pour nous en parler, d'abord le président du comité d'organisation locale, Monsieur Jamel Marbot, Marhababik, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à votre invitation. Merci pour l'invitation. Saïdkoum, kul mutafaridin qanat al-Jazair. Voilà, alors Aïdkoum Mbrouk, Saïd Hogas qui est directeur de la jeunesse et sport de la wilaya de Constantine, Marhaba. Merci beaucoup de nous avoir invités dans votre émission. Canal Algérie, à travers Canal Algérie, j'adresse mes sincères voeux à tout le peuple algérien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr Moubarak. C'est vrai que vous êtes très l'Aïd, on est encore dans le mois d'Aïd al-Mubarak, mais bon, on ne va pas parler de l'Aïd, l'Aïd s'est passé et a été comme ça. D'accord, d'abord, en termes de préparation, là, je vais m'adresser à M. Marbot, qui est président du directeur du comité d'organisation. Alors, est-ce que la machine est prête pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations des U17 ? Merci pour la question. C'est la question la plus importante. D'ailleurs, c'est la question la plus importante. Voilà. Effectivement, depuis maintenant ma nomination, ça fait presque à peu près 2 mois. Donc, avec mon équipe, nous avons fait beaucoup de travail. Nous avons énormément travaillé pour que cette compétition se déroulera dans de très très bonnes conditions. Donc nous sommes à peu près à quelques retouches. Il nous reste encore quelques retouches concernant la cérémonie d'ouverture. Mais par rapport aux infrastructures hôtelières et infrastructures sportives, tout est prêt. Là, il faut dire que le fait que le CHAN se soit déroulé dans d'excellentes conditions, il y a un excellent retour. Le même dispositif a pratiquement été retenu pour que la CAN U17 se déroule dans les meilleures conditions. D'ailleurs, ma première décision, c'est de reconduire toute l'équipe qui a travaillé au niveau du CHAN, qui a fourni un excellent travail, qui a été d'ailleurs... toute l'équipe a été félicitée par les instances de la Confédération africaine du football et
le président de la République n'a pas hésité à quand même à féliciter tous ceux qui ont participé à cette organisation et qui l'ont réussi. C'est un défi pour l'Algérie, un défi lié, alhamdoulilah, c'est-à-dire qu'on a pu arriver à montrer à l'Afrique, au monde, que l'Algérie dispose de moyens d'infrastructures hôtelières ou infrastructures sportives dignes d'une compétition mondiale. On a fait une excellente compétition. Inch'Allah, on reconduit le même dispositif a été reconduit. Il y a une consolidation de toutes les énergies qui ont travaillé dans cette compétition pour aller vers l'organisation de la CAN U17. Alors la Confédération africaine, bien sûr, n'est pas restée les bras croisés. Elle a repris le travail juste après le CHAN. Elle est venue effectuer des visites dans les sites. Elle a refait pratiquement le même travail. Hein. C'est avec la même munitie, on va dire. Ils étaient pointilleux aussi. Aussi, et, vous savez, une compétition de cette ampleur, on ne laisse rien, même le détail. On travaille les détails. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec la Confédération, avec les officiels de la Confédération, qui sont d'ailleurs ici. On a des réunions périodiques avec eux pour aplanir toutes les difficultés éventuelles. Maintenant, on est à J-4, et nous sommes pratiquement prêts. Toutes les sélections sont ici, à part 2 ou 3 qui vont arriver, Inch'Allah, prochainement. Donc, les préparatifs très, très bien. Il n'y a rien à dire. Alors, quand on dit préparatif, ça veut dire les équipes transitent d'abord par la capitale pour effectuer, oui, bien sûr, ces fameux tests biologiques et IRM pour statuer sur l'âge, bien sûr, parce que c'est important, il faut c'est dire. C'est très, très important. C'est très important. Peut-être que les téléspectateurs ne savent pas. Pour cette compétition, les jeunes de moins de 17 ans, vous savez que la morphologie, elle diffère, donc au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, donc ils ont mis en place un test, c'est un IRM du poignet, donc chaque joueur doit faire ce test pour déterminer l'âge exact. Pas l'âge exact, mais au moins qu'il y ait moins de 17 ans. D'accord. Et il y a aussi des dispositifs réglementaires en cas où quelqu'un dépasse cet âge-là, s'il y a 2 ou 3 qui dépassent. Il y a un dispositif réglementaire même qui élimine la sélection quand elle a plus de, je pense, 4 joueurs qui ont plus de 17 ans. Donc c'est pour ça que, peut-être que le téléspectateur ne sait pas, cette fois-ci, nous avons reçu les délégations plus de 5 jours en avance. C'est-à-dire que les délégués, d'après le cahier des charges de la Confédération africaine du football, toutes les sélections doivent arriver dans le pays d'organisateur 5 jours avant le début de la compétition pour le faire, le test ERM. Donc, pour nous, en collaboration avec la CAF, nous avions choisi un centre de radiologie au niveau d'Alger. Donc, toutes les sélections sont passées. Ils sont en train, aujourd'hui même, hier, aujourd'hui et demain, ils vont passer les tests et vont rejoindre leur lieu d'hébergement, soit à Constantine, soit sur Alger. Donc le test, c'est très, très important, très, très important. Et nous avons mis en place, il faut aussi, oui, j'aimerais bien souligner ça, nous avons mis en place une logistique importante. Imaginez recevoir 11 sélections sur Alger. Faire les tests IRM, et les faire transiter vers le lieu d'hébergement, soit à Constantine, soit à Annaba. Il faut dire que 11 sélections, c'est 11 sites d'hébergement, 11 moyens de transport, 11 moyens aussi d'entraînement, parce qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. C'est une logistique énorme. Vous savez, et je tiens à le souligner aussi, il y a des sélections qui sont venues très en retard. Ils nous ont sollicité pour un entraînement. On l'a mis en place à leur disposition, les moyens nécessaires pour s'entraîner. Djaoussoubah, ils sont venus très tôt le matin, fin d'après-midi, ils ont trouvé. Nous avons été surpris par une autre sélection qui est venue comme ça à l'improviste parce que le plan de vol a changé. Elle a demandé un terrain d'entraînement à leur disposition. Tous ceux qui sont venus, toute demande a été satisfaite. Alhamdoulilah, il faut le dire aussi, grâce aux autorités compétentes, soit la DGS, le ministère, toutes les infrastructures ont été mises en place, même les infrastructures hôtelières. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, les hôtels, qui ont répondu favorablement. Alors imaginez, en plein milieu de la nuit, il y a des sélections qui sont arrivées à 2h, 3h du matin,
et 2h, 3h du matin, vous avez un comité d'accueil qui est là, qui les attend, et c'est ça qui fait la valeur de l'Algérie. C'est l'accueil. Donc c'est un travail très très important, et je profite de l'occasion aussi pour féliciter mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour ne pas lésiner sur aucun moyen à mettre à la disposition des sélections qui sont les bienvenus en Algérie. Alors avant de vous demander, parce que là vous êtes en tournée, vous avez commencé par Constantine, puis vous allez vous rendre à Annaba pour vous enquérir de ce qui se fait. Des dernières retouches. On laisse parler le directeur de la jeunesse. Alors qu'est-ce que vous avez fait, Monsieur Saïd Hogas, à Constantine, qui est un site qui a été choisi après le CHAN. Donc la Confédération a choisi Constantine parce que Constantine peut-être a répondu favorablement aux attentes de la Confédération africaine de football. Avant de répondre à votre question, je me permets d'abord d'adresser un message de félicitations, un hommage, un grand hommage, un vibrant hommage au public de Constantine qui a donné vraiment une image extraordinaire. Extraordinaire et a marqué sa présence, sa forte présence lors de tous les matchs, de toutes les rencontres qui ont lieu au stade Shahid Hamraoui, dans des conditions vraiment difficiles, atmosphériques, le froid, la neige, atmosphériques, vraiment très difficiles. Mais le stade a été archi-comble pendant tous les matchs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous encourage encore de déployer plus d'efforts. Et j'adresse également mes remerciements à tous ceux qui ont vraiment œuvré, inlassablement pour la réussite du CHAN d'abord, les autorités militaires, sécuritaires, administratives, le mouvement associatif, la population, tout le monde vraiment a contribué efficacement pour la réussite du CHAN. Donc pour Constantine, nous sommes là avec la même énergie, on est là, nous avons déployé tous les efforts sous la coupe et sous l'égide et sous la conduite de M. Louali. Toutes les autorités, tous les services sont là, tous les établissements. Il y a eu mobilisation, il faut dire qu'il y a eu une mobilisation très forte. Bien sûr, Et l'organisation d'une compétition pareille et d'une manifestation pareille, ce n'est pas le volet sportif uniquement. Il y a le volet sportif, il y a tous les corollaires qui suivent, à savoir la préparation de la ville. L'embellissement de la ville. Exactement. L'éclairage de la nuit, le nettoyage, tout, c'est un tout. Plus les sites touristiques également, plus le volet culturel aussi, plus les produits de tiroir. À démontrer à nos... Et surtout qu'on est dans le mois du patrimoine, comme vous avez vu. Exactement. Avant vous, il y avait les du 18 avril au 18 mai. Oui, voilà. Donc, c'est toute la période de la calme comme par hasard. C'est bien de valoriser notre identité avec les invités qui tout viennent. Tout à fait. Donc, nous sommes, comme Monsieur le Président du Comité a bien dit, nous sommes prêts à 100%. À 100%. Pour accueillir cette compétition, cette alors, manifestation. Déjà hier est arrivée la première délégation dans la nuit, l'Afrique du Sud. Vous étiez à l'accueil, à l'aéroport, même le président du comité avec, local était, président, était présent pardon, pour accueillir. Donc ça s'est bien passé. On les a accueillis suivant les traditions de Constantine. C'est pas surprenant. Hein. Alors, moi, j'ai pas été surpris. Hein. Connaissant les Constantinois, j'ai vraiment pas été surpris. Par contre, les Sud-Africains étaient surpris. D'ailleurs, l'entraîneur, le chef de délégation... N'en revenait pas. C'est-à-dire, ils étaient vraiment fatigués. L'essentiel, ils étaient fatigués, mais ils étaient impressionnés par l'accueil. Ils ne s'attendaient pas à un accueil pareil. Dire ça, c'est les traditions de notre pays. Vous êtes les bienvenus, Inch'Allah, pour tout le monde. On n'est jamais surpris par tout ce qui se fait au niveau de Constantine. C'est une très grande. C'est une ville historique qui a une histoire derrière elle et ce n'est pas une ville qui date d'hier. Donc, au niveau du CHAN, nous n'avons pas été surpris. Le public, il est à remercier
Le public, il a donné des leçons, je dirais, des leçons. Monsieur Montsepe, le président de la Confédération, éberlué quand il venait sur Constantine, et regardait le public avec le froid, la neige. Et le public, il est à l'entrée des grades. C'est vrai qu'il faut rappeler que le public a été quand même un indice très important pour convaincre la Confédération de choisir Constantine comme site d'accueil. Oui. Bon, c'est important de dire, parce que ça a été choisi durant le Chan. C'est la visibilité. Voilà. Donc, quand on a vu que Constantine est prête, bon, vous-même, vous êtes en visite. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez senti? L'engouement, c'est toujours là. La présence réelle du public, des autorités. Vous savez, un événement pareil, ça se prépare pas du jour au lendemain. Mais il y a toutes des préparatifs qui ont été faits déjà bien avant le Chan. Il y a une continuité, nous sommes sur un bis repetita. C'est-à-dire que Chan, Khan, sont diminués par rapport à la compétition. La Khan, c'est une compétition, il faut le rappeler aussi au public, c'est une compétition qualificative à la Coupe du Monde. Ça y est, maintenant, la Coupe du Monde qui devait se dérouler au Pérou, elle a été, la FIFA a enlevé l'organisation au Pérou. On attend donc le pays qui va abriter cette compétition, mais la CAN, elle est qualificative. Chan, c'est une compétition. Alors, je crois que le mot d'ordre, c'est de ne pas minimiser cette compétition des jeunes. Hein. C'est lui donner la même importance. Plus. Vous savez, si on revient un peu en arrière, peut-être le public le sait, les fans du foot le savent. Fin des années 70, l'équipe nationale de 82, il y avait un travail préparatif qui a été fait. Bien sûr. Grâce au valeureux entraîneur dans le temps, on a été au Japon. On a participé à la Coupe du Monde des jeunes. C'est vrai. Et ces jeunes-là qui ont fait la sélection nationale. Il y avait un travail, c'est avec les autorités, il y a un programme qui a été fait, il y avait un travail qui a été fait, et, alhamdoulilah, on a pu arriver à 82, se qualifier à la Coupe du Monde. Et ce n'est pas un hasard. Donc, les jeunes, il faut leur donner toute la considération qu'il faut. D'ailleurs, au niveau de la Fédération algérienne de football, on travaille sur ça. On travaille beaucoup plus, je dirais, sur la promotion du football amateur avec les jeunes. On travaille énormément avec les jeunes. Il y a un programme déjà qui est en cours. Il y a d'autres programmes qui vont venir, qui sont tracés déjà. Nous allons y aller vers le sud. Nous allons lancer des trucs au niveau du sud. Pour la promotion du football. Vous savez que l'équipe 17, elle a été dans une académie. Ils ont travaillé, ça fait longtemps. Ce n'est pas une équipe qui est née hier. C'est un travail de longue haleine qui a été conduit par notre DTN, la Direction Technique Nationale. C'est un travail de longue haleine. Donc, ils ont mis en place tous les moyens à cette équipe qui a quand même, vous savez, 9 stages de préparation. Ils ont eu la Coupe arabe, alhamdoulilah. Nous avons été, c'est Mafkhar al-Jazair, Coupe arabe des moins de 17 ans. Et puis, 9 stages, autant de matchs. C'est-à-dire que nous avons la Fédération, l'Algérie, n'a pas les aînés sur les moyens pour donner à cette sélection la place qu'il faut. On ne fait pas de différence entre les seniors, A', etc. Parce que les jeunes, c'est la promotion, c'est l'avenir. C'est l'avenir du football. Donc la Fédération travaille énormément avec les jeunes. Énormément avec les jeunes. Très bien. Alors, vous allez vous rendre dans un petit moment, en milieu de journée, vous allez vous rendre à Annaba. Annaba qui est aussi un site qui a été choisi, sélectionné par la Confédération. Alors, Annaba aussi se prépare, mais Annaba aussi, ça a été un choix aussi de cœur par la Confédération qui est tombée, on va dire, sous le charme de Annaba la coquette. Oui. Très, très jolie ville. Vous savez, la Confédération, ils ont été tous surpris. Parce que quand nous avions sélectionné Annaba et Constantine, enfin ça fait longtemps quand l'Algérie elle a eu le privilège d'organiser Chan, donc c'est vrai que pendant le corona, on a eu quand même quelques difficultés à se préparer, mais juste après, les gens de la Confédération, ils ont été énormément surpris par le travail de qualité qui a été réalisé par les Algériens pour mettre en norme international, toutes les infrastructures qui ont été sélectionnées pour le déroulement de la Chan 2022. Ouais. Ça, c'est très important. Il faut le souligner. Tout le travail qui a été fait par la wilaya de Annaba
et la wilaya de Constantine, sous l'égide des walis respectifs, qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont fourni toutes les moyens. Sur les moyens. Il faut, voilà. Il faut le souligner. Ouais. Les autorités ont été là présentes pour nous aider, nous organisateurs, à avoir tous les moyens pour le bon déroulement de cette compétition. Il y avait une synergie, une capacité extraordinaire de tous les Algériens. Comme disait mon ami Hogaz, les autorités militaires, les autorités sécuritaires, tout le monde a contribué. Ouais. Tout le monde. D'ailleurs, Chan s'est déroulé sans un incident. Sans incident. Alors que dans toute sans compétition, incident. Il y a des alors imprévus. Que cette fois-ci, on a utilisé, donc le public, il faut dire qu'il le sache, on a utilisé la billetterie électronique avec billets sécurisés. C'est la première fois. C'est un produit, le système de la billetterie, c'est un système fait par des Algériens. Oui. Des ingénieurs algériens qu'il faut saluer, aussi, saluer les féliciter pour le travail qu'ils ont effectué. Ils sont en train de nous accompagner maintenant au niveau du CAN. D'ailleurs, la Confédération a été quand même, je dirais, surpris de trouver que nous avons les moyens ici pour faire face à son cahier des charges. C'est un cahier de charges très, très important. Et rigoureux. Rigoureux. Très exigeant. Et nos ingénieurs ont montré leur capacité à fournir ce qu'il faut. Oui. Alors, M. Hogas, à Constantine, on va reconduire le même système concernant la billetterie. Ça sera Tadkirati, c'est le site. Oui, c'est le même système de vente de la billetterie électronique. Et nous avons reconduit presque les mêmes éléments qui ont assuré justement la gestion des différents centres. Mais on a diminué un peu le nombre de centres. On s'est focalisé sur trois centres principaux, à savoir un centre qui se trouve à la salle OMS Barchache et à Constantine, un autre centre qui se trouve à la salle OMS Zouari aussi à Constantine, et un troisième centre qui se trouve à la nouvelle ville, voilà. À la maison de jeunes Shtaibi Ammar. Tous les équipements ont été fournis et nous sommes prêts justement pour accueillir le public. Alors, le moment où le signal sera donné, donc on est là, on est prêt pour... Il ne reste plus que, je pense, à accueillir le public. Donc déjà, la cérémonie d'ouverture, c'est le 29. Samedi. Samedi. Nous sommes à J-4. J-4, voilà. Le samedi, on aura, Inch'Allah, le cérémonial d'ouverture. Que aussi, je profite de cette occasion pour saluer nos partenaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place cette cérémonie. On a un laps de temps très court. Donc, nous sommes en train de faire des répétitions, Inch'Allah. Donc, il va y avoir une très belle cérémonie d'ouverture. Inch'Allah. Puis, la compétition va commencer, bien sûr. Tout de suite après. Tout de suite après. Il y aura d'abord le premier match, ça sera le samedi. Ensuite, Constantine, les deux premiers le 30. Matchs. Ensuite, nous avons deux matchs. Voilà. Ouais. Constantine, nous avons deux matchs juste après la cérémonie d'ouverture à Alger. Donc, Constantine, nous avons deux matchs à 17h et à 20h. Et je lance un appel à tout le public, comme il l'a prouvé. Retrouvez votre émission Ma famille, ma vie du lundi au mercredi de 10h30 à 11h30 en direct. Bon, vous avez, tout à fait. Tout à fait. Même la ville s'est préparée. Oui. Si on parle d'un point de vue infrastructurel, la ville a fait un grand toilettage, pour accueillir, bien sûr, et les invités, mais aussi le public pour qu'ils viennent en masse au stade Shahid Hamlaoui. Donc même le volet transport a été pris en considération, puis en charge. Donc il y a un module à sa tête, monsieur le directeur du transport, qui travaille. Donc on va pourvoir, c'est-à-dire toutes les communes, de moyens de transport pour pouvoir et donner l'occasion au public de se déplacer dans de bonnes conditions et de retourner vers son domicile dans de très bonnes conditions, Inch'Allah. Comme on l'a fait déjà dans des conditions très oui, ben c'est vrai que ça s'est déroulé dans difficile lors du climatique. Maintenant, voilà. Le temps est plus clément, il fait chaud.
Mot d'ordre à Annaba aussi, oui, M. Marbot. Oui, il n'y a pas de changement. Hein. Ça, c'est toujours le même. On attend toujours le public. On a été très satisfait et très content de la présence de ce public. La Confédération a été... Vous savez que le public, c'est la visibilité. Pour une compétition de ce genre, oui. La visibilité, surtout pour les partenaires de la Confédération et les partenaires de l'Algérie. Et le public, il faut qu'il... Le public, je m'adresse au public. Ouais, il faudrait que le public sache de tout ce qu'on fait. Le fait de se présenter au niveau du stade, suivre un match, pour nous, on est en train de travailler sur des projets à long terme. D'accord. On a candidaté pour la CAN 25. Inch'Allah, Rabbi, yqaddirna, Inch'Allah, yikun 'andna al-hab bach hna n'organiseouha. Donc le public va nous aider énormément, énormément. Le public nous aide et il est en train de nous aider énormément dans l'organisation de cette compétition. Il n'y a pas uniquement cette compétition. Pardon, Monsieur Smaïl, c'est un paramètre. C'est important. Important. La visibilité. La visibilité. Vous savez qu'à une compétition de ce genre, il y a des moyens financiers colossaux qui sont fournis par des partenaires de la Confédération. Donc la visibilité, en termes de publicité, elle est très importante. Le public fait partie intégrante de cette visibilité. D'ailleurs, c'est lui qui donne le holà. L'asme, la présence pour donner tout le charme aux rencontres. Et en tant que pays organisateur, ça nous aide énormément pour postuler vers d'autres compétitions. Pas seulement la CAN 2025, mais d'autres compétitions. Le président de la République, qu'on salue d'ailleurs, il a donné des instructions fermes en disant l'Algérie dispose de moyens, infrastructures, sportif de normes internationales. Nous sommes actuellement, vous savez qu'au niveau africain, nos stades, pratiquement, les grands stades sont tous en normes internationales. Ils sont tous Il y a d'autres pays qui vont venir chez nous pour s'entraîner pour le jour des matchs amicaux parce que dans leur pays, ils n'ont pas des stades de normes internationales. Des gens ne sont prédisposés à recevoir des grandes compétitions. Et on est en train de travailler dessus. Donc, la présence du public, c'est un des paramètres pour nous aider encore plus à postuler pour les autres événement, Inch'Allah. Inch'Allah. 30 secondes pour dernier mot, Saïd Hoggas. Dernier mot, secondes. Je dis que nous avons commencé la préparation, les préparatifs pour la CAN déjà au milieu du Chal. Durant le Chal, déjà, oui, on préparait oui, justement, la CAN, à travers les points négatifs à relever, pour corriger et tout. 1, 2, je lance, et je profite de cette occasion, de cette aubaine, pour lancer un appel à tout le public, comme il a fait déjà pendant le Chan et durant des conditions atmosphériques très, très difficiles, donc de le faire pendant le printemps. De Constantine. Le mot d'ordre, c'est toujours, je lance un appel au public. Ouais. Je vais leur dire une chose. Il ne faut pas faire de distinction entre A' et jeunes. Nous sommes sur une compétition de jeunes. Et l'Algérie, c'est un pays de jeunes. Il faudrait qu'on net ces jeunes, on les aide énormément pour qu'ils puissent s'améliorer. Ils bénissent, Inch'Allah. Ils doivent être là, parce que Hedouan, c'est l'avenir. Nos jeunes de 17 ans actuellement, Hedouan, Inch'Allah, le grand l'équipe Abi Inilah. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Marbot Jamal, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U17. M. Saïd Hoggas, directeur de la jeunesse et sport de la Wilaya de Constantine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlions de la CAN U17 à J-4. Nous sommes, il ne reste plus que quelques jours. L'appel est lancé pour tout le monde pour que, on continue sur la même dynamique de réussite. Pourquoi pas, faire mieux que ce qu'on a fait durant le Chan. Merci de nous avoir suivis à partir de Constantine. Ce bonjour d'Algérie, vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre émission, toujours en direct à partir de la station régionale de Constantine. Je vais remercier Sarah Ikhlef et toute l'équipe qui a travaillé ce matin pour nous permettre d'être en direct à partir de Constantine. Demain, vous retrouverez Iman Maharoukras à partir de Odoran. Et puis après, nos amis d'Alger reprendront le relais. Merci. Merci, à très bientôt et à mardi prochain, Inch'Allah.